On définit souvent la science-fiction comme un genre narratif mettant en scène des situations, voire des univers, où se déroulent des histoires en décalage plus ou moins fort avec l'état actuel de la civilisation, des technologies et des sciences. Et bien sûr, il y a mille et une manières de faire cela. Il arrive que les histoires que la science-fiction nous raconte ambitionnent de préfigurer le monde qui nous attend. Elles mettent alors en scène une sorte d'extrapolation futuriste des possibilités ouvertes par les sciences contemporaines. Mais il arrive aussi que ces histoires fassent le contraire, c'est-à-dire s'amusent à bafouer les principes scientifiques les mieux établis, fassent joyeusement joujou en toute liberté avec la notion d'impossibilité en transgressant les lois aujourd'hui connues. Reste que dans tous les cas, la science-fiction apparaît comme une exploration de notre imaginaire, qu'elle s'offre le luxe de mettre à toutes les sauces. Or, l'imaginaire, c'est aussi ce dont se servent à leur manière les scientifiques. Dès lors, quel lien faut-il voir entre la science et la science-fiction? Se ressemblent-elles, se complètent-elles, se contredisent-elles? Et comment l'imaginaire des scientifiques se compare-t-il à celui des auteurs de SF? La bonne nouvelle du jour, c'est que nous allons tranquillement pouvoir répondre à toutes ces questions, car nous sommes aux Utopias à Nantes, en direct, mais hélas, seulement en duplex, à cause des effets de la tempête Ciaran, qui a malmené les possibilités de circulation des trains. Tempête Ciaran qui a pour anagramme Canari, je le dis au passage en guise de clin d'œil adressé à nos amis nantais. Nous sommes en compagnie de trois invités qui sont sur place à Nantes, trois invités qui connaissent bien notre affaire, puisqu'ils ont tous les trois choisi de donner sinon leur corps, du moins leur cerveau, en partie à la science et en partie à la science-fiction, de façon à peu près équitable. Ces trois invités sont Cléo Collomb, qui est philosophe des techniques, Roland Lehoucq, qui est astrophysicien, Nathalie Besson, qui est physicienne des particules. Bonjour à tous les trois, en fait tous les deux, puisque Cléo Collomb n'arrivera que dans 20 minutes, si j'ai bien compris. Donc bonjour à tous les deux, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, très bien Étienne. Bonjour Étienne. À tout seigneur, tout honneur. Je commence par vous, Roland Lehoucq, car vous êtes le président des Utopiales. Vous êtes également évidemment physicien, grand passeur de science, ce qui tombe bien puisque le thème des Utopiales cette année, c'est la transmission. Pourquoi avez-vous choisi ce thème et qu'est-ce qui connecte la transmission à la science-fiction? Roland Lehoucq. Alors, la science-fiction, c'est une littérature qui n'est pas née sous ce nom-là, d'origine européenne, mais qui est née d'un émerveillement d'un certain nombre d'auteurs pour les progrès scientifiques et techniques de leur temps, typiquement le milieu jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc, de cet émerveillement est née l'envie de créer des histoires qui sont à la fois, disons, exaltantes par les aventures qu'elles présentent, mais aussi qui sont, disons, didactiques ou qui présentent les nouveautés scientifiques ou les nouveautés techniques dans ce cadre romanesque. On pense évidemment à Jules Verne, par exemple, qui nous met en scène des machines extraordinaires, dont le fameux sous-marin, le Nautilus, du capitaine Nemo, un sous-marin électrique dont le fonctionnement est tout à fait proche, enfin en tout cas dans l'intention est proche des sous-marins modernes. Un sous-marin, tout au moins un engin qui va sous l'eau et qui peut y rester longuement, alors que les sous-marins de l'époque sont de petites machines qui naviguent sous 20 cm d'eau et qui avancent littéralement à la force mécanique d'un pédalier avec un humain à la manœuvre. Et donc, il nous met en scène une machine qui permet l'exploration des océans et qui permet aussi la découverte de merveilles techniques et de merveilles des océans, des abysses océaniques. Et donc, on peut dire que pratiquement dès le début, la science-fiction, avant qu'elle s'appelle science-fiction, c'est cette littérature s'est appelée un peu plus tard par Maurice Renard, s'est appelée ensuite le merveilleux scientifique. On pense aussi à des auteurs comme Herbert George Wells, par exemple, en Angleterre, ou Ronnie Henné. Et cette littérature de merveilleux scientifique ou de scientific romance pour les anglophones était déjà à l'origine la volonté de mettre en scène des objets scientifiques et techniques, de parler des conséquences que cela pouvait avoir, quel genre de choses allaient se passer grâce à leur usage ou malgré leur usage, et aussi de discuter de ces possibilités dont certaines étaient envisageables, en tout cas envisagées à l'époque. Mais la science-fiction ne s'est pas toujours embarrassée, ne s'est même rarement embarrassée de détails scientifiques ou de détails techniques. Elle était là aussi pour montrer ses merveilles. Et le merveilleux scientifique, ça a une définition qui en était donnée par Maurice Renard quand il a forgé le terme, c'était la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Et donc, d'une certaine façon, la science-fiction est née donc de cet émerveillement avec la volonté d'en parler. Par ailleurs,
Hugo Gernsback, qui est le luxembourgeois qui, émigrant aux États-Unis, a importé aux États-Unis ce genre littéraire, il l'a importé grâce à un support où il s'est fait éditeur de livres, pas de livres, mais de magazines de diffusion de la culture scientifique et technique, des magazines comme Modern Electrics ou Science and Invention, des magazines dans lesquels, avec Modern Electrics, on comprend qu'il va expliquer les merveilles, disons, de l'électricité, bricoler l'électricité, si j'ose dire, chez soi, fabriquer un poste à galène, etc., un poste radio à galène. Et dans ces magazines de diffusion de culture technique, il explique, il met aussi des œuvres, il insère aussi des œuvres qu'il connaît bien comme européen, des œuvres de ces auteurs européens qui forgent à ce moment cette nouvelle littérature. Il met ses œuvres dans ces magazines de populaires, de culture scientifique populaire. Et ça a un certain succès, et ça aboutit, quelques années plus tard, à la création d'un magazine, Amazing Stories, qui ne fait que raconter ce genre d'histoire, et dont le premier numéro met à l'honneur des textes de Wells et des textes de Jules Verne. Et donc, elle est née aussi, on le voit même dans son origine américaine, ça c'est le mot science fiction a été forgé par Hugo Gernsback, il a d'abord appelé ça scientifiction, puis science fiction, et bien ce mot vient d'un Européen qui, émigrant aux États-Unis, a eu l'envie de diffuser les connaissances scientifiques et techniques, et en même temps de mettre ces histoires qui étaient forgées, écrites en Europe, et puis qui finalement, en réalisant l'engouement de son lectorat américain, n'en a fait plus qu'un magazine qui diffusait ses histoires avec, après, le succès considérable de tous les magazines, les pulps que l'on a eu à l'époque. Mais Roland Locke, vous-même, vous faites la même chose. Vous utilisez souvent dans vos conférences la science-fiction pour faire comprendre la démarche scientifique, ce que sont les connaissances scientifiques. On va prendre un exemple. Les Utopiales se déroulent du 1er novembre, donc ça a commencé avant-hier et se termineront le 5 novembre, et vous avez donné une conférence d'ouverture sur l'antimatière. L'antimatière, elle est bien connue des physiciens, même si des questions restent évidemment posées à son sujet, mais elle a aussi un statut très particulier dans la science-fiction. Et à quelle sauce la science-fiction assaisonne-t-elle, si j'ose dire, l'antimatière, d'une façon que les scientifiques ne pourraient pas cautionner? Alors en fait, l'antimatière, elle est née, c'est une manière de fiction, on pourrait dire ça. Je pense que Cléo, tout à l'heure, va réagir sur la question. Cléo Colomb, qui vient d'arriver, bonjour. Qui vient d'arriver, exactement. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, je l'ai vu arriver, je la vois arriver. C'est une émission sportive. Voilà, exactement. Et donc, je pense que Cléo va réagir après sur la question de la science comme fiction, finalement. On pourrait dire que l'antimatière est née d'une fiction, est née d'une équation écrite par le physicien Dirac, qui voulait généraliser l'équation de Schrödinger et qui a finalement abouti à quelque chose qui donnait des solutions qu'il a bien fallu interpréter et qui, oublions les détails de l'histoire pour se focaliser sur la science-fiction, et sur les sciences bien sûr, mais la science-fiction, a abouti finalement à l'idée qu'il existait une autre catégorie de matière qu'on a appelée plus tard antimatière, mais qui n'a pas été appelée comme ça initialement. Avec notamment la découverte de l'électron positif, qu'on a appelé aussi positron par Carl Anderson. Et donc, cette antimatière, c'était une nouveauté de la physique, un étonnement, et qui est née donc comme une manière de fiction, comme une sorte de prédiction, une conséquence de l'équation de Dirac. Et la science-fiction, les auteurs de science-fiction s'en sont immédiatement emparés, voyant le potentiel, alors notamment le potentiel explosif, puisque quand ça fait boom, la science-fiction, elle aime bien ça aussi, en tout cas celle de l'époque. Elle réplique. Sans aucun doute, elle réplique, oui, il faut reconnaître. Et ça fait boom parce ils ont très rapidement compris que rencontre de matière et d'antimatière, eh bien, ça fait boom, ça annihilation des deux particules et production d'une quantité formidable d'énergie, qui est simplement l'énergie de masse des deux particules. Et bien, avec tout un tas de problèmes, s'il y a des astéroïdes d'antimatière, c'est une source d'énergie formidable, mais comment aller creuser avec une pelle dans un astéroïde d'antimatière? Il faut peut-être une antipelle, enfin, mais du coup, où est l'antivaisseau pour stocker l'anti, enfin bref, vous voyez donc ça pose des tas de problèmes, donc dont les solutions sont toujours un peu, soit rigolotes à l'aune de ce que nous savons maintenant, mais toujours discutables, évidemment, mais ils prennent le fond qui est la matière et l'antimatière, la rencontre se convertit intégralement en énergie. Nathalie Besson, vous êtes vous-même physicienne des particules. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'histoire de votre discipline, l'histoire de la physique des particules, a été ponctuée de façon très régulière par des moments de science-fiction, c'est-à-dire par des hypothèses qui ont été émises, qui ressemblaient parfois à de la science-fiction et qui finalement se sont
retrouvés, cautionnés par des expériences, sont devenus en quelque sorte réels. On a parlé de l'antimatière. Vous-même, vous avez travaillé sur le boson de Higgs, qui est une particule qui est restée hypothétique pendant 48 ans avant sa détection pour la première fois en 2012. Est-ce que on pourrait parler à ces occasions-là de moments de science-fiction? Oui, la science-fiction, c'est la méthode scientifique. En fait, on a une hypothèse, et cette hypothèse, on joue avec. Alors, peut-être que les écrivains de science-fiction jouent un peu plus librement avec l'hypothèse que les physiciens qui se donnent un petit peu des carcans scientifiques avec les lois qui ont été établies jusque-là. Mais oui, il y a des moments de science-fiction qui vont dans les deux sens. Hein. Il y a la nature qui nous a donné des découvertes auxquelles on n'avait pas pensé, et dont je pense, comme le muon, dont la science-fiction s'est emparée aussi, mais il y a aussi la théorie. Il n'a pas été prédit, justement, il est tombé il est tombé sur les physiciens sans qu'ils y aient pensé à l'avance. Exactement. Et la science-fiction, elle a tout de suite fait des trucs avec le muon et le muonium, hein. Ça, c'est tout de suite, c'était des mots qui collent bien et hop, ça fait des histoires. Mais c'est la grande force de la science-fiction, c'est de se glisser dans les interstices. Là, par exemple, on parlait d'antimatière, mais l'antimatière, maintenant, elle est bien connue par les physiciens, mais il y en a une qui est plus rigolote dans les matières rigolotes. Il y a la matière noire. La matière noire, par définition, on sait ce que c'est pas, mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Et là, c'est un terrain de jeu fantastique, la matière noire, j'imagine, pour les imaginaires. Mais par exemple, il y a la théorie des supercordes qui prédit qu'il existe des dimensions d'espace-temps supplémentaires. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, mais est-ce que la science-fiction s'en est déjà emparée? J'imagine que oui. Ah bah oui, carrément. Alors dans Interstellar, je ne me souviens plus si c'est des supercordes ou juste des dimensions supplémentaires. Mais à la fin, il y a un personnage qui est trappé dans une dimension à laquelle on n'a pas accès. Quoique, il finit par discuter via une horloge, par laquelle il est une horloge de la dimension supplémentaire, qui se transmettent des informations. C'est là que la science a des choses à dire. On n'était pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne sait pas communiquer avec ces dimensions supplémentaires, voire nous n'y arriverons jamais. Mais, ouais. Pour qu'un roman de science-fiction fonctionne, il faut que son auteur trouve un moyen de suspendre l'incrédulité du lecteur. C'est une expression que m'a apprise Roland Luke, qu'on doit à l'écrivain anglais Samuel Coleridge, qui lui parlait au XIXe siècle de la poésie. Donc comment est-ce qu'on fait pour que le lecteur entre dans le jeu, c'est-à-dire ne lise pas le roman de science-fiction comme une sorte de canular dont il aurait immédiatement deviné le statut? Alors moi, en tant que scientifique, je suis très bon public vis-à-vis de la science-fiction, même si elle piétine littéralement la science de temps en temps. Je pense que ce que je lui demande, c'est de la cohérence, c'est-à-dire choisir un système et s'y tenir. Et après, si les lois sont différentes des lois que je connais, eh ben tant pis. Cléo Colomb, vous nous avez rejoint. Je vous ai présenté tout à l'heure comme philosophe des techniques et des sciences. Vous êtes chercheuse dans le domaine notamment des sciences cognitives, des techniques en général. Comment est-ce que vous utilisez la science-fiction? Est-ce que c'est pour faire des scénarios montrant les possibilités qui s'ouvrent à nous grâce au progrès de la technique? Alors, moi, science-fiction, j'aime bien me dire qu'il y a science et qu'il y a fiction, au sens où, deux choses. D'abord, la science est aussi une fiction, et ensuite, la science a besoin de fiction. Alors, pourquoi je dis que la science est une fiction? Alors, d'abord, comprenons ce que j'entends par fiction ou par science-fiction, enfin, c'est pas que moi, mais il faut avoir juste en tête que la science-fiction, elle implique toujours au moins trois éléments. Hein. Le premier, c'est une expérience de pensée, c'est le « et si ». C'est le « que se passe-t-il si ». Par exemple, que se passerait-il si la lecture était interdite et que les pompiers mettaient le feu au livre? C'est Fahrenheit 451. Ou que se passerait-il si on devait vivre sur une planète de sable, etc. Donc il y a vraiment c'est Dune, exactement. J'ai une petite culture, mais... Je peux continuer les devinettes, une plus dure. Que se passerait-il si on envoyait une linguiste plutôt que des militaires quand les extraterrestres arrivent sur Terre? Donc ça, on est d'accord que ce sont des expériences de pensée qu'en effet les scientifiques pratiquent, que Galilée a pratiqué, qu'Einstein a pratiqué. Donc ça, c'est l'élément 1. L'élément 2, c'est la distanciation cognitive, c'est-à-dire que les lecteurs et les lectrices doivent être emmenés dans un monde qui est inhabituel. Et le troisième élément, c'est la reconstruction. Donc là, les lecteurs, les lectrices doivent reconstruire un monde qui a de la cohérence, mais qui repose sur des théories et non pas sur de la magie. Sinon, on change de registre, on n'est plus dans de la SF. Et finalement, dans la science, en tout cas dans la science que je pratique, on retrouve ces trois éléments. Il y a le « et si ». Il y a « on se retrouve dans un monde inhabituel » et il y a la reconstruction à partir de théories.
Et je pense que c'est important de rappeler ce « et si », l'importance du « et si », le pari, en fait, du scientifique. Je prends l'exemple de la primatologie. Hein, il y a de nombreux travaux qui ont documenté les comportements agressifs des singes, comment les mâles étaient concurrents entre eux, etc. Jusqu'au jour où une primatologue, et je pense que le fait que ce soit une femme, ça a de l'importance, elle s'est demandé « et si les grands singes étaient capables de coopération ?» Donc elle a dit « et si ?» Ils étaient capables d'autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait pour tester son hypothèse? Eh ben, elle a rajouté une gamelle de nourriture dans l'enclos des singes, là où les autres avaient eu tendance plutôt à enlever une gamelle. Donc, nécessairement, ils devenaient concurrents entre les singes. Donc, c'est ce que je veux dire. Il y a ce « et si ?» Et si les singes sont capables d'autre chose? Est-ce qu'ils sont capables de collaborer? Ben, on pose ce « et si ?» On se retrouve dans un monde inhabituel, parce que subitement, les primates collaborent, on n'a pas trop l'habitude. Et ce monde inhabituel où les singes coopèrent, eh bien, il va falloir le reconstruire, il va falloir amener des théories. Et ces théories, elles ont de l'importance. Hein. On sait à quel point les singes sont utilisés, soit pour dire les humains sont comme les singes, ou au contraire, sont très différents. Donc si on postule, ou si on découvre, comment définir, mais si les singes coopèrent, c'est très différent de se dire ils sont concurrents. Et donc je dis que la science c'est une fiction dans ce sens-là, c'est-à-dire que la science c'est pas juste partir du réel, c'est je pense au contraire partir d'une fiction. Il faut d'abord imaginer pour que la question arrive. Et autrement dit, les questions qu'on pose en science, c'est pas juste des questions pour savoir. Alors bien sûr, on veut savoir des choses, mais on pose aussi des questions dont les réponses qu'on va apporter ont des conséquences. Voilà, je veux pas juste savoir si les singes coopèrent. En fait, la réponse que je vais apporter à mon « et si », ça a des conséquences sur le rapport au monde que je décris, que je tisse. Et c'est ce que vous appelez, Cléo Colomb, une recherche d'anticipation qui consiste à dessiner des sortes de fictions spéculatives? Oui, moi, ça me conviendrait bien. Je pense qu'on va à la rencontre du réel. Et qui ce genre de recherche intéresse-t-il? Est-ce que par exemple les militaires s'intéressent à cette façon de faire de la recherche pour envisager quels pourraient être les conflits du futur? Waouh! Alors, très certainement. Alors, j'ai vu en regardant vos publications que vous travaillez sur l'hypothèse d'une corruption du savoir scientifique. Oui. Qui serait inspirée de la trilogie de Liu Cixin. Oui. Sa fameuse trilogie, Le problème à trois corps. Oui. Dans un contexte de guerre cognitive. Alors, c'est quoi cette histoire? Oui, alors ça c'est vrai, c'est un projet de recherche que je mène actuellement avec des collègues, où le but c'est d'essayer d'anticiper les guerres de demain. Alors il y a les guerres de l'information, il y a toutes les pratiques d'influence en ligne, ce qu'on appelle la désinformation, qui est pas tout à fait pareil que les fake news. Donc il y a tout ça qu'on connaît bien finalement, c'est des formes de propagande version 21e siècle. Mais là où Liu Cixin est très fort dans son livre, sa trilogie Le problème à trois corps, et en particulier le tome 2 La forêt du sombre, c'est qu'il dit les trisolariens, donc les extraterrestres, vont venir envahir la Terre, quoi, en gros. Mais on a de la chance, ça prend un peu de temps. D'ici à ce qu'ils arrivent sur Terre, on a 300 ans. Donc l'humanité a 300 ans pour se préparer. Et le but, c'est comment on va s'en sortir. Mais les trisolariens, donc les extraterrestres, sont quand même malins. Ils ont envoyé sur Terre des intellectrons, donc des espèces d'espions presque invisibles, qui non seulement regardent tout ce que les êtres humains sont en train de faire pour essayer d'anticiper l'arrivée des trisolariens, mais surtout, ils introduisent des petites erreurs dans les instruments de mesure scientifiques. Donc c'est pas des grosses aberrations, donc on s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout de 10-20 ans, on n'arrive plus à produire de la recherche fondamentale qui ait du sens. Et c'est une hypothèse qui est intéressante, parce que dans le fond, en tant que scientifique, j'ai quand même l'intuition que ce qu'on fait est utile, et que si on en arrive à saboter la science, sans science, sans recherche fondamentale, il n'y a plus d'éveil des esprits, il n'y a plus de développement technologique possible, parce qu'à un moment, il faut de la nouvelle recherche fondamentale si on veut des nouvelles technologies aussi. Et c'est toute cette question-là qui est intéressante chez Liu Cixin, et qu'on peut essayer de reprendre pour essayer d'anticiper les guerres de demain, si on veut s'en prendre réellement un adversaire. Oui, manipuler les gens sur Internet, c'est bien. Si on veut être plus efficace, je pense que mieux vaut essayer d'attaquer la production scientifique.
Roland Lehoucq, vous êtes un expert de la science-fiction, en même temps que vous êtes physicien, et vous distinguez les inventions que vous qualifiez de plausibles, par exemple le fait de devenir invisible, les voyages interstellaires, etc., des inventions que vous qualifiez de spéculatives, qui sont très peu probables, mais qu'on peut toujours imaginer, qui sont le prolongement, disons, de pistes théoriques d'aujourd'hui, et puis les inventions que vous qualifiez d'impossibles, comme le voyage dans le temps, la précognition ou la téléportation. Est-ce que ces trois choses se retrouvent à peu près à part égale dans la science-fiction ? Alors, je n'ai pas de statistiques en tête pour jauger de leur répartition, mais on les trouve toutes les trois dans la science-fiction, puisque la science-fiction, elle se fonde sur des éléments de science, comme le disait d'abord tout à l'heure Nathalie, un point fondamental, c'est le monde présenté est cohérent et rationnel. Il y a des raisons aux choses. Ces raisons sont parfois un peu outrées. Les éléments scientifiques ou techniques sont parfois impossibles au regard de la classification que vous évoquez, mais il y a besoin d'avoir une cohérence. Il faut qu'on se retrouve dans ce monde qui est des choses qui ressemblent peu ou prou à ce que nous connaissons dans notre monde. Ensuite, il y a des éléments qui peuvent être plus ou moins poussés par les auteurs vers le plausible pensable, c'est-à-dire au sens sans violer les lois de la physique qui respectent les lois de la physique actuelle mais qui sont juste extrêmes et à ce point extrême parfois qu'on serait incapable de les fabriquer en pratique, même s'ils ne violent aucune loi de la physique. Et puis ensuite, il y a la façon encore plus extrême, c'est d'aller carrément dans l'impossible pour pouvoir ensuite résoudre des problèmes qui se posent dans l'œuvre, dans la narration, par exemple. Si vous voulez discuter d'un empire galactique, ou en tout cas mettre en scène un empire galactique, les distances entre les étoiles sont tellement considérables qu'il semble vain d'essayer de faire un empire, de constituer un empire avec des moyens de télécommunication ou de transport dont la vitesse est toujours limitée par la vitesse de la lumière. Donc assez naturellement, on pourrait dire, vous trouvez comme auteur de science-fiction, si vous avez besoin d'un empire galactique, vous trouvez un moyen de vous affranchir de la vitesse de la lumière. Vous allez plus vite que la lumière. Vous prenez des trous de ver. Vous allez dans l'hyperespace. Vous inventez l'ancible, une machine qui permet la téléportation instantanée d'un point à un autre dans l'univers. Voilà. Vous débrouillez pour trouver une machine, un argument technique, éventuellement faux, qui va vous permettre de continuer votre œuvre. Sinon, évidemment, votre empire galactique s'écroule instantanément. C'est un peu le destin des empires galactiques, malheureusement, quand on voit la ridicule valeur, la très faible valeur de la vitesse de la lumière. Mais voilà, donc là, on va dans l'impossible pour des raisons narratives, et parfois parce qu'aussi ça donne de bonnes idées. Le voyage dans le temps, je pense que les auteurs de science-fiction, les autrices de science-fiction sont tout à fait au courant que ça soulève des tas de problèmes de paradoxes logiques, par exemple, en plus des problèmes techniques. Mais c'est justement, ce sont ces paradoxes qui font des bonnes histoires, qui font des histoires intéressantes, amusantes, et donc au contraire, ils en font leur miel pour produire des histoires. Si on prend les romans qui racontent des voyages dans le temps, ils se prennent toujours les pieds dans le tapis, c'est-à-dire qu'il y a toujours la mise en scène de deux temps différents, le temps du voyageur temporel, le temps dans lequel ce voyageur temporel voyage. Bien sûr, mais ça n'est pas grave. Et on a du mal à les lire à cause de ça, puisqu'on s'y puisse très bien où on est. C'est ça qui fait partie peut-être du plaisir de la lecture, c'est qu'on ne sait plus trop où on est. Il y a des œuvres, par exemple, comme All Your Zombies de Robert Heinlein, hein, qui est devenu un film qui s'appelle Prédestination, beaucoup d'années après, parce que All Your Zombies dans les années 50, quelque chose comme ça. Et Prédestination, c'est un film des années 90, où il y a en fait un seul personnage. Et ce personnage a différents âges et a différents sexes, d'ailleurs, parce qu'il change de sexe et qu'il pratique même l'autogénèse, c'est-à-dire qu'il s'accouple avec son soi changé de sexe. Et donc à la fin, il n'y a qu'un seul personnage, mais avec des voyages dans le temps et d'habiles transformations pratiques, eh bien on se retrouve avec une situation évidemment extraordinairement intriquée, mais peut-être le tour de force est là et dans le fait qu'on ne s'en rend compte qu'à la fin, qu'on arrive quand même malgré tout, ça a l'air que c'est toujours, je suis d'accord avec vous, c'est toujours des histoires assez compliquées à suivre. On voit par exemple dans Tenet, hein, si on regarde le film Tenet de Nolan, oui. Assez récent. Bon, c'est assez compliqué de suivre l'histoire, mais c'est peut-être ça aussi qui fait partie du jeu finalement pour le spectateur ou la spectatrice qui regarde ça et qui se dit finalement j'y comprends rien, mais il se passe des trucs, ça a l'air amusant, ça a l'air intéressant. Bon, oui. Voyage dans le temps, c'est vrai que c'est un cas un peu extrême. Revenons à la vitesse de la lumière, parce qu'Einstein lui-même, quand il était adolescent, a fait des expériences de pensée avec la lumière. Qu'est-ce qui se passerait si la lumière était capable d'émettre elle-même de la lumière, quelle serait la vitesse de la lumière émise, etc. Ils se demandaient ce qu'on percevrait si on était à cheval sur un rayon lumineux. Autrement dit, même les physiciens ont joué avec cette vitesse de la lumière, et vous-même, vous l'utilisez dans votre façon de faire de la pédagogie.
Bien sûr. Alors, ces expériences de pensée auxquelles se livrait le jeune Einstein, elles sont pas propres à ce grand physicien, futur grand physicien. Elle a été énormément utilisée en science. L'expérience de pensée, donc la fiction dont parlait tout à l'heure Cléo, l'idée qu'il faut imaginer les choses avant de les concrétiser d'une certaine façon, soit par l'expérience, soit par une théorie, enfin quelque chose, des calculs. Enfin, il se passe quelque chose, disons, sur une feuille de papier. Ça se passe d'abord dans le cerveau et dans l'imagination du scientifique qui émet l'idée. Et donc, ces choses auxquelles pensait le jeune Einstein, finalement, se sont avérées être comprendre ces questions. Si je suis assis sur un rayon lumineux, que vois-je du monde ? Eh bien, ça nécessite de se dire, donc le rayon lumineux, la lumière, a donc un référentiel qui lui est propre, un référentiel où elle serait à l'arrêt, puisque c'est un référentiel propre, un référentiel qui est dans laquelle la lumière serait fixe. Ah, problème, la vitesse de la lumière est invariante par changement de référentiel. Elle vaut la même valeur dans tous les référentiels. Il n'existe donc pas de référentiel dans laquelle la lumière est au repos. Et donc la question n'a pas de sens, mais la poser et comprendre en quoi elle n'a pas de sens permet de mieux réaliser ce qu'est ensuite ce qu'a construit Einstein, la théorie de la relativité restreinte. Donc ces fictions, elles permettent, ces expériences de pensée, elles permettent de parfois de comprendre ce qu'on n'a pas compris, ou de mettre en scène ce qu'on n'a pas compris, éventuellement sous forme de paradoxe, ou même de pseudo-paradoxe, parce que des fois ils n'en sont pas, si on pense en relativité restreinte, au fameux paradoxe des jumeaux qui en réalité n'en est pas un. Et cela permet donc de se poser des questions, de prendre du recul, c'est ça. Mais il y a aussi des résultats d'expérience qui oblige à penser. Et là, je me tourne à distance. Hein. Je suis pas capable de me téléporter. Je suis à Paris. Encore. Nathalie Besson est à Nantes. Je me tourne fictivement vers elle pour lui dire qu'en effet, il y a des expériences qui obligent les physiciens à penser et qui les transforment presque en auteurs de science-fiction. Je voudrais qu'elle nous parle de ce résultat qui avait été annoncé le 23 septembre 2011 par des chercheurs de l'expérience Opera, qui est installée dans le laboratoire souterrain du Grand Sasso en Italie, et qui laissait penser que les neutrinos qui venaient de Genève, du CERN, à 130 km de là, étaient arrivés plus vite que la lumière. Et cette annonce avait laissé les physiciens d'abord sceptiques, puis avait déclenché un enthousiasme médiatique considérable, comme si plus les physiciens sont sceptiques, plus médiatiquement c'est intéressant. On a fini par comprendre qu'il y avait une erreur dans la façon de mesurer les durées, mais ça avait suscité toutes sortes de débats intéressants. Certains disant que c'était impossible pour des raisons théoriques, d'autres disant que il devait y avoir une erreur de mesure, d'autres qui disaient qu'il fallait que ces résultats soient vraiment pris au sérieux. Ils les interprétaient en utilisant qui la théorie des cordes, qui d'autres théories, notamment celle des tachyons, ces particules supraluminiques qui satisfont malgré tout au postulat de la théorie de la relativité. Bref, on a vu une effervescence d'hypothèses qui sont toutes tombées à la fin, mais on a vu que tous les physiciens n'ont pas à l'égard des théories qu'ils utilisent le même rapport. Il y en a certains qui les considèrent comme intangibles, sûrs d'elles-mêmes, d'autres qui sont prêts à les remanier plus facilement. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel souvenir vous gardez vous-même de cet épisode qui a duré à peu près 6 mois, si ma mémoire est bonne? Oui, un petit peu moins d'un an. En fait, c'est une histoire qui mériterait plusieurs bouquins sous plusieurs angles, parce que on peut se poser la question de comment ça a été communiqué. Est-ce qu'on aurait dû communiquer comme ça? Est-ce qu'on a bien fait? On peut se poser la question de la réaction des théoriciens, qui a été très marrante, parce que suite à l'annonce, il y a eu des centaines de papiers théoriques, et c'est leur boulot, hein, pour essayer d'expliquer ce résultat expérimental un peu bizarre. Alors, je remets dans le contexte, il y a plusieurs expériences qui sont situées au laboratoire souterrain du Grand Sasso et qui doivent mesurer l'apparition dans un faisceau de neutrinos émis du CERN dans une certaine, on va dire, ça s'appelle la saveur, mais bon, bref, ce sont des neutrinos qui portent un petit nom, c'est les neutrinos mu, et on cherche à voir l'apparition de neutrinos tau dans ce faisceau. Il y a 4 expériences qui sont installées au Grand Sasso. Et il y a une expérience qui est un petit peu en avance sur les autres pour sortir les résultats, qui s'appelle Opera, une des 4, et qui, en septembre, publie un préprint, donc c'est en ligne, d'un papier qui s'appelle toujours, parce que c'est la version du papier qui a changé, mais le titre n'a pas changé, mesure de la vitesse des neutrinos avec l'expérience Opera ou quelque chose comme ça sur le faisceau du CERN. Je paraphrase là, je me rappelle plus le titre exact. Et ce papier dit que la mesure qui a été effectuée montre que les neutrinos vont plus vite que la lumière. Alors, on a été plein de physiciens à être interviewés à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon Dieu, c'est terrible. Il y a la presse s'en est... Alors, non, je vais dans le bon ordre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc,
il y a eu une conférence donnée par les physiciens de l'expérience au CERN pour annoncer à la communauté leurs résultats, mais surtout pas que le résultat, montrer comment ils l'avaient obtenu, parce qu'ils étaient tellement perplexes qu'ils avaient évidemment besoin de la communauté scientifique pour interroger avec eux la façon dont ils avaient obtenu ce résultat. Et peut-être de façon discutable, le CERN fait une conférence de presse. Alors là, pour le coup, ça fait boum, même si l'antimatière n'y est pour rien. C'était seulement 60 nanosecondes pour 730 km. Oui, bah, 60 nanosecondes d'avance, 60 milliardièmes de secondes d'avance. Eh ouais, mais bon, balèze les neutrinos quand même, quoi, parce qu'il faut aller plus vite que la lumière. Et donc, la presse s'en empare, ça donne Einstein avec tort. Moi qui suis physicienne des neutrinos, on m'appelle, on me dit, alors vous êtes tous au bord du... En gros, je paraphrase toujours, hein, vous êtes tous au bord du suicide. Einstein avait tort, c'est une catastrophe. Et moi, d'expliquer que bah non, c'est la vie de la science. D'abord, ce résultat n'est pas corroboré. Mais s'il est avéré, eh ben on s'est gouré quelque part, et tant mieux. Ça veut dire qu'on va devoir remettre notre modèle sur la table, et puis lui extirper les tripes, et puis regarder où est-ce qu'on peut modifier les choses pour que ça marche. Donc en fait, non, c'est la vie de la science, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais néanmoins... Donc, il y avait quand même une autre expérience à côté qui s'appelait Icarus. Absolument. Qui n'avait pas vu du tout la même avance des neutrinos. Pas encore. Là, dans la temporalité, donc, il y a d'abord cette explosion médiatique, parallèle à l'explosion des papiers théoriques pour expliquer si le résultat est avéré, ce qu'on a observé. Mais évidemment, et alors, je tiens à préciser quand même que dans l'article, le premier paragraphe dit, on a décidé de publier compte tenu de l'importance du résultat. Néanmoins, on est tous perplexes, et donc on continue bien sûr à chercher une explication à ce résultat qui met à mal les fondements de la physique avec laquelle on travaille, quoi. Donc, parallèlement, toutes les quatre expériences s'y mettent, hein, Icarus, les deux autres dont j'ai malheureusement oublié le nom, Opéra, etc. Tout le monde s'y met. Opéra a cherché où, dans le setup expérimental, il peut y avoir eu un défaut. Et puis les trois autres, qui n'avait pas franchement l'intention, il me semble, de faire la mesure de la vitesse des neutrinos, parce que c'est pas la mesure phare de ces expériences, se mettent à travailler d'arrache-pied pour analyser leurs données et pour sortir ce résultat. En février, il y a une annonce qui est faite, qui dit qu'on a identifié deux potentiels, et en plus antagonistes, c'est ça qui est rigolo, un qui faisait aller les neutrinos plus vite et un qui faisait aller les neutrinos moins vite. Il y avait un des capteurs GPS qui était un peu désynchronisé, et puis une fibre dont on avait mal estimé la longueur. Bref, ça n'allait pas dans le même sens, mais c'est pas grave. Donc on a identifié deux problèmes expérimentaux qui peuvent expliquer le résultat. Et puis en juillet, je crois, une conférence neutrino internationale est faite l'annonce que bah non, le résultat est faux, les problèmes expérimentaux identifiés ont été analysés et tout est rentré dans l'ordre. Le neutrino n'est plus supraluminique. Il est rentré dans l'ordre. Il est rentré dans le rang. Dans l'intervalle, les trois autres expériences corroborent le fait que le neutrino n'est pas supraluminique. Tout le monde est d'accord et tout le monde est soulagé. Et donc le papier de juillet porte toujours le même nom. C'est toujours le même papier sur Archive, sauf que c'est la version 4, si je ne m'abuse. Et là, on sait toujours une mesure de la vitesse des neutrinos avec Opéra sur le faisceau du CERN. Mais cette fois-ci, ils ne sont pas supraluminiques. La vitesse de la lumière est redevenue conforme à son anagramme qui est « limite les rêves au-delà ». Mais il y avait aussi un petit épisode de vraie science-fiction, c'est quand la ministre italienne de la recherche avait félicité ceux qui avaient construit le tunnel de 730 km permettant de véhiculer les neutrinos. Alors qu'il n'y a pas de tunnel pour les neutrinos. Alors, qui traversent la matière sans interagir avec elle. L'intervention de la ministre, que je ne connais pas, donc je m'excuse, je vais lui tailler un short, soyons clairs, de la ministre de la recherche italienne était savoureuse à plusieurs égards. D'abord, elle a tenu à féliciter le monde de la science pour avoir franchi la vitesse de la lumière, comme si c'était un exploit en soi. Chouette, on a franchi cette limite. Non. Et puis ensuite, effectivement, elle se félicitait, elle et les chercheurs et le gouvernement italien d'avoir contribué au creusement du tunnel. Alors, pour les auditeurs, le neutrino n'interagit que très, 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 très peu avec la matière. Donc, il n'y a pas besoin de lui creuser un tunnel. Il traverse la Terre sans problème. Et puis, des tunnels de 730 km, il se trouve qu'il n'y en a pas. Voilà. Est-ce que je peux vous poser une question à tous les trois, la même question, dans l'ordre que vous voudrez? Ce serait d'avoir votre commentaire sur une phrase de Gaston Bachelard, qui est celle-ci. Gaston Bachelard écrit « Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez ». Comment est-ce que vous la comprenez? Alors, qui commence?
Bah, étant donné qu'ils me regardent tous. Oui, voilà, c'est pour vous. On a dit Bachelard, on a cité un philosophe, alors je prends. Allez-y. Alors, ça va pas du tout être une interprétation de Bachelard, mais qu'est-ce que cette phrase évoque en moi? Peut-être je vais un peu détourner, hein, mais l'idée que ça m'évoque, c'est que la science a aussi besoin de fiction. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une certaine science auquel il manque peut-être des imaginaires. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que si on prend les rapports du GIEC, bon, voilà, les rapports du GIEC, on connaît. Il y a quand même un consensus scientifique sur les limites planétaires, sur le bouleversement climatique. Et à partir de là, on n'a pas vraiment besoin de nouveaux rapports. Alors, il y en a eu des nouveaux, mais finalement, le constat est là. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, pas grand-chose. Certes, la conscience collective est là quand même beaucoup avancée, mais je teste l'hypothèse en réagissant un peu à cette phrase de Bachelard, mais que à notre science là, il nous manque un imaginaire, au sens où peut-être hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la science-fiction comme expérience de pensée, comme distanciation cognitive et comme reconstruction, peut-être que là on a notre science, on a nos rapports, mais on a du mal à créer la distanciation cognitive. Ce que je veux dire par là, c'est que bon, le changement climatique, clairement, c'est pas une hypothèse, c'est pas un « et si ». Là, il y a pas de question là-dessus. Mais peut-être ce qu'on n'arrive pas à faire, c'est l'étape 2, l'étape de la distanciation cognitive, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre que peut-être c'est un monde autre. On arrive à comprendre qu'on est dans un monde peut-être défait, ou en ruine, ou qui va arriver, en tout cas, qui va tendre vers ça, mais c'est pas vraiment un monde autre. Au sens où peut-être qu'on n'arrive pas assez à en faire un monde étrange. Et j'ai l'impression que le passage par le monde étrange, le passage par la distanciation cognitive, c'est l'étape nécessaire pour pouvoir ensuite reconstruire. Vous voulez dire, Cléo Blanc, qu'on manque d'imaginaire pour lui donner une figure. Voilà. Exactement. C'est donc faire une image, en quelque sorte. Voilà. Mais est-ce que c'est pas en train de changer? C'est-à-dire le changement climatique, c'est ce que d'aucuns appellent une transformation silencieuse qui, à force d'agir, finalement, devient sonore. Aujourd'hui, on parle d'urgence climatique, alors que pendant 40 ans, les climatologues qui disaient à peu près la même chose étaient en proie au doute et au scepticisme de leurs contemporains. Oui, mais quelque part, on reste dans la même fiction. On reste dans l'extraction de matière, l'extraction de travail vivant. On n'arrive pas à changer d'imaginaire. Alors certes, c'est vrai, ça émerge par-ci par-là. Même il y a toutes les cli-fi, là, les climate fiction. Voilà, exactement, qui sont là. Mais je sais pas. Je me demande si un de nos problèmes, c'est qu'on n'arrive pas à passer par cette étape d'étrangeté. Et donc, on n'arrive pas bien à reconstruire autre chose. Mais là, dans l'histoire de la science-fiction, il y a un certain nombre d'éco-fictions. Oui, il y a un certain nombre de textes écrits depuis longtemps sur ces questions environnementales, de rapport de l'humanité à son environnement et des dégradations qu'elles procurent. Mais c'est vrai que, bon, ça n'a pas changé grand-chose finalement, mais elles n'étaient pas aussi très nombreuses parce qu'elles ont été écrites en un temps où la pensée de l'interaction de l'humanité avec son environnement, c'était une pensée extractiviste, avec pour du côté de la science-fiction aussi beaucoup de... Elle est toujours cette pensée extractiviste présente, mais du côté de la science-fiction aussi une... On va pas dire une glorification, mais quand même une mise en scène de ces sciences et ces techniques, de pouvoir de l'humanité sur l'environnement, de pouvoir sur l'espace, d'aller au-delà, de sortir de la Terre pour y trouver les ressources que nous ne trouverions pas sur Terre, l'exploitation des astéroïdes, d'aller sur d'autres planètes, coloniser les autres planètes. Et d'une certaine façon, l'idée qu'il faut ne pas défendre, justement, qu'il faut essayer de réfuter, l'idée qu'il y ait une planète B, eh bien, ça vient quand même, c'est un dépensif de la science-fiction de ce point de vue-là, c'est quand même un dépensif classique de la science-fiction. Il y a d'autres mondes, nous le savons maintenant, nous connaissons plus de 5000 exoplanètes. Parmi ces 5000 exoplanètes que nous connaissons, il y en a certaines qui sont peut-être habitables, on n'en est pas encore bien sûr du tout, elles sont à des distances considérables. Il y a beaucoup plus que 5000 exoplanètes dans la galaxie, donc on pourrait laisser croire l'idée que, soit en se déplaçant dans l'espace, ce qui n'est pas facile en pratique avec des durées raisonnables, pour aller vers d'autres étoiles, soit en
transformant aussi autre idée qui vient de la science-fiction, en transformant les conditions d'habitabilité d'un monde qui nous est non approprié, par exemple la planète Mars, en la terraformant, parce que c'est un mot qui a été forgé dans la science-fiction, le mot terraforming. Donc en la terraformant, on pourrait peut-être avoir une deuxième Terre. Et après, on voit un certain nombre de milliardaires américains qui nous expliquent que ce serait peut-être très très bien, soit de puisque la Terre est finalement en but à cette dégradation due à l'humanité, bah c'est un peu embêtant, mais on a encore le temps d'élaborer des colonies, une colonie orbitale, il y en a certains prétendent ça, d'autres des vastes colonies orbitales, soit de transformer la planète Mars ou d'aller coloniser la planète Mars. En gros, il y a une planète B et la solution, c'est une humanité multiplanétaire, une humanité spatiale et qui est son destin ultime de toute façon, selon d'autres encore, de sorte que s'il y a un problème sur Terre, c'est pas grave. On est ailleurs aussi. Et donc ces idées-là, elles viennent pour partie de la science-fiction que j'appellerais extractiviste, on va dire ça comme ça. Je pense que Cléo pourra nous élaborer d'autres choses. Il y a les récits qu'on appelle, selon Ursula Le Guin, les récits flèches et les récits paniers. Et ces récits-là, ils sont assez dominants dans la science-fiction, disons, de l'âge d'or, dans les années 50, 60. Mais en même temps, il y a aussi des récits moins nombreux, des récits qui essaient de trouver des voies de survie de l'humanité sur Terre, en dépit de la dégradation que l'humanité procure sur Terre. Et qui agissent là, à l'époque, plutôt comme des vigies, on va dire, la science-fiction qui a aussi ce rôle de vigie, de nous dire, regardez, si on fait ci et ça, alors voilà un monde dans lequel nous pourrions nous retrouver, qui nous permet donc de simuler un monde, de tourner les manivelles d'un monde fictif, mais qui nous permet de réfléchir sur le monde que nous voulons vraiment, ou plutôt aussi sur les mondes dont nous ne voulons pas. Et donc là, les éco-fictions, de ce point de vue-là, ont déjà été présentes dans l'histoire de la science-fiction, et elles sont, comme le dit Cléo, je suis absolument d'accord avec elle, encore plus importantes, nécessaires maintenant, de recréer des nouveaux imaginaires vers un monde à la fois où les humains sont sur Terre, mais un monde qui est différent, qui est même presque exotique par rapport au monde dans lequel nous sommes actuellement. C'est ça, parce que là, tous les exemples que tu as donnés, ça reste quand même des variations sur un même thème fictionnel. Bien sûr. Là, je pense à l'article de Deborah Danowski et Eduardo Viveros de Castro, qui s'appelle « L'arrêt de monde ». Et ils expliquent ça, ils expliquent qu'il y a quand même une recrudescence du thème apocalyptique depuis un certain nombre d'années hein, dans les jeux vidéo. Mais ils parlent aussi des rapports du GIEC là-dedans. Et ils nous disent, mais finalement, c'est toujours le même postulat. C'est qu'il y a nous, donc nous, c'est nous les humains, et il y a le monde. Et on fait une différence entre nous et le monde. Alors, dès le moment où on postule cette dualité, alors après... il peut se passer plein de choses. C'est soit nous, ben, on n'a plus de monde, donc on va dans l'espace, on va se recréer un autre monde, ou alors nous, on est là dans le post-apocalyptique, on est là et on n'a plus de monde, donc comment on fait ? Ou alors, c'est soit on enlève le monde, soit on enlève la branche nous, c'est-à-dire qu'il y a des récits aussi où on parle soit de la Terre qui continue à vivre, mais sans les humains. Enfin voilà, il y a tout un tas de récits, mais finalement, ça repose toujours sur la même fiction, c'est que nous ne faisons pas partie du monde. Exactement. Il y a aussi des récits de transformation des humains, puisque si la Terre se dégrade, quittons la Terre. Si la Terre se dégrade, quittons la Terre pour des colonies orbitales ou pour d'autres endroits, mais aussi transformons la Terre. Là, c'est la géo-ingénierie ou la terraformation. Arrêtons de déterraformer la Terre, c'est peut-être ça la bonne solution. Donc, ce serait géo-ingénierie de la Terre. Et enfin, on ne peut pas faire de géo-ingénierie, mais transformons les humains pour les adapter. Robert Silverberg, dans son roman « Ciel brûlant de minuit », montre ça. Des humains qui se modifient génétiquement pour être plus adaptés aux nouvelles conditions climatiques qui s'annoncent du fait de l'action des humains. Je remarque que l'astrophysicien Roland Le Houx et la physicienne des particules Nathalie Besson n'ont pas répondu à ma question relative à la phrase de Bachelard. Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. Je vais donc la laisser tomber et vous poser on peut la laisser flotter un peu en l'air. L'antigravité étant ce qu'elle est, on peut la laisser légèrement flotter en l'air, mais pas longtemps. Mais alors j'ai une autre question pour vous trois. Vous êtes jeunes, donc vous avez des carrières de chercheurs qui sont encore très courtes, très brèves. Mais est-ce qu'au cours de vos carrières, il y a eu des découvertes dans votre champ ou ailleurs qui vous ont tellement surpris que si on vous en avait parlé avant que ces découvertes soient faites, vous auriez considéré que c'était de la science-fiction? Nathalie Besson, peut-être, pour commencer. Généralement, les choses qui me surprennent, c'est
il y a un manque de connaissances de ma part. C'est-à-dire, ça va pas tellement me rendre sceptique, mais ça va me poser énormément de questions. Du coup, je vais avoir envie de chercher, de comprendre et de me familiariser avec le phénomène. Donc, quand c'est hors de mon champ, je suis pas sceptique, je suis curieuse. Dans mon champ, par exemple, les neutrinos supraluminiques dont nous parlions tout à l'heure, la première chose à laquelle j'ai pensé, ça n'est pas « Ah, chouette, les neutrinos sont supraluminiques », c'est « Ah, ils ont dû faire une erreur quelque part ». Donc là, oui, c'était plus du scepticisme. Il y en a eu un autre, comme ça, sans vouloir démolir mes collègues. L'envie de trouver est tellement forte qu'il y a ce qu'on appelle un biais humain dans la recherche scientifique, même la plus rigoureuse. Est-ce pas le putain de facteur humain dont parlait Feu Uberise ? C'est exactement le putain de facteur humain. On publie trop vite. Là, c'était vraiment en toute conscience, et je pense pas qu'il y avait de malhonnêteté, mais il y a des gens qui ont découvert, alors c'est peut-être un peu technique, mais que le neutrino était sa propre antiparticule en regardant, en observant pour la première fois un processus extraordinairement rare, tellement rare qu'il n'a toujours pas été observé, qui s'appelle la double désintégration bêta sans émission de neutrino. Et avec une analyse statistique, il a rendu tout le monde entier sceptique, et il y a eu une bataille qui s'est engagée, une bataille par publication interposée. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je me suis demandé s'il y avait de la malhonnêteté de la part. Ces résultats étaient, d'un point de vue analyse statistique, étaient très moches. Je pense que beaucoup de mathématiciens ont fait des cauchemars. Et néanmoins, je ne pense pas qu'il y avait de la malhonnêteté de la part de ces gens-là. Donc, j'ai pas été étonnée non plus. J'ai plutôt été là pour le coup dans mon champ de recherche, c'était plutôt du scepticisme. Oui, il y a encore du boulot, c'est ça la vraie phrase. Roland Lehoucq. Oui, alors c'est vrai que dans le champ de l'astrophysique, je suis un peu dans la situation de Nathalie pour son champ disciplinaire, pour la physique des particules. Puis l'univers est grand, donc forcément on peut y avoir que des surprises d'une certaine façon, mais qui relève pas tant de la science-fiction que voilà de la surprise de waouh, il se passe des trucs et on n'avait pas imaginé que ça soit à ce point. En revanche, en dehors de mon champ, moi je le vois bien parce que bon, tu étais aimable en disant que nous étions jeunes, c'est on va dire en moyenne. Je ne participe pas à faire baisser cette moyenne, mais c'est sûr que on m'aurait dit quand j'avais 20 ou 25 ans qu'un jour il y aurait des grands modèles de langage seraient capables de produire des textes de manière aussi stupéfiante et dont on peut discuter tout un tas d'autres qualités, mais enfin ça reste quand même assez stupéfiant. J'avoue que les bras me seraient tombés, quoi. J'aurais dit non mais vous déconnez, moi j'étais à l'époque déjà très au courant de ce qui se passait dans le monde de ce qui s'appelait encore un peu la cybernétique et puis dans l'informatique naissante, enfin dans les éléments qui commençaient à se passer, et on aurait dit ça, enfin j'aurais été assez non spécialiste du domaine, du coup, assez suiviste de ce qui se disait par les grands spécialistes, qui disaient, ben non, jamais on n'arrivera à jouer au jeu de Go et à battre le champion du monde de Go. Aux échecs, on y arrivera sûrement, mais ça va être difficile. Au Go, jamais. Et puis, quant à faire une machine qui produit de la langue naturelle ou qui comprend la langue, le langage naturel, enfin, qui comprend, non, elle ne comprend pas, mais qui produit du langage naturel de manière aussi efficace, ça n'arrivera jamais. Et en fait, on voit maintenant qu'on en est déjà bien au-delà de cette étape. Et donc, cette chose qui paraissait certainement de la science-fiction, qui aurait été prise pour de la science-fiction, sans aucun doute, il y a une trentaine d'années, et peut-être même il y a une vingtaine d'années, maintenant, c'est tout à fait quotidien. Donc ça, c'est quand même... Mais dans votre domaine, Roland, que par exemple, les résultats du JWST, le télescope spatial dont on parle beaucoup, est-ce que parmi ces résultats, il n'y en a pas qui vous auraient semblé impossible avant qu'ils soient obtenus? Bon, j'ai pas l'impression. C'est des choses auxquelles on s'attendait. C'est d'ailleurs ça qui est un peu compliqué d'une certaine façon. C'est quand on fabrique le JWST, on le fabrique en fonction de choses qu'on aimerait voir, mais qu'on n'a pas encore vues. Et ces choses qu'on aimerait voir, on les anticipe comme prolongement de théories qui ont fonctionné déjà. Et donc on le met ce télescope spatial, on le fait travailler dans le domaine de la lumière infrarouge parce qu'on a envie d'observer des galaxies extrêmement lointaines dont la lumière a été très décalée vers le rouge par l'expansion de l'univers. Et donc on s'attend à les voir, et on les voit. Ce à quoi on ne s'attend pas, c'est de les voir comme ci ou comme ça. Donc ce sont des détails, mais qui ont leur importance dans la compréhension de l'évolution des galaxies d'une manière générale et de l'évolution de l'univers aussi. Mais voilà, c'est fait pour les voir, et on les voit. Par contre, on pourrait se mettre à voir un objet, à détecter un objet qu'on a, pour le coup, jamais vu. Et là, on se dit, tiens, je branche mon télescope spatial, je regarde dans une région, je m'attends à rien voir, et hop, je vois plein de trucs. Un peu comme à l'époque où le télescope Hubble a fait le Deep Space, le Deep Sky Survey,
Il a photographié pendant, alors je ne sais plus, c'était des centaines d'heures, littéralement. Il a fait des, additionné des photos dont le temps cumulé faisait des centaines d'heures de pose sur une surface du ciel qui était à peu près équivalente à ce que l'on voit à travers le chat d'une aiguille tenue à bout de bras. Donc vous imaginez la surface du ciel complètement ridicule. On ne savait pas trop ce qu'on allait voir et on a vu 3000 galaxies. On savait qu'il y avait des galaxies ordinaires, mais là il y en avait juste plein, mais plein. Et donc c'était un peu à la fois une surprise, on s'y attendait un peu, mais c'était quand même une surprise de les voir comme ça. Donc ensuite, le James Webb fait la même chose, il envoie encore plus, encore mieux, encore plus loin. On s'y attendait là pour le coup, et il y en a qui sont extrêmement lointaines, et ça remet en cause un certain nombre de modèles, mais je ne qualifierais pas de ça de science-fiction au sens... Ouais, c'est vraiment le truc incroyable, on n'aurait jamais cru avant. De la même façon, les ondes gravitationnelles, leur détection, on s'y attendait. Simplement, c'était quand et à quel coût technique, au sens quel effort technique pour les détections. Donc, je pense, enfin, de mon point de vue, les choses comme ce qui tourne autour, disons, de l'intelligence artificielle, par exemple, là, c'est vraiment, enfin, je vois entre 20 ans et maintenant, si on est passé de l'âge de la pierre Cléo Colomb, comme le temps passe, je suis obligé d'interrompre Roland Louis, mais Cléo Colomb, vous-même, vous avez été surprise par des découvertes récentes dans votre domaine ou ailleurs? Bah, ça va être peut-être un peu décevant ce que je vais dire, mais en fait oui, et absolument tout le temps. Et je pense que c'est certainement aussi pour ça que j'ai choisi ce métier. C'est que c'est un métier où, alors c'est peut-être ce que tu disais avant Nathalie sur la surprise, c'est les effets de surprise, mais vraiment ce à quoi je ne m'attendais pas, et c'est une collègue ou un collègue qui publie un texte, et pour le coup, c'est de la science-fiction au sens où ça me fait comprendre le monde autrement. Ça me donne de nouveaux outils pour voir d'autres choses, pour interpréter d'autres phénomènes. Et c'est à chaque fois, mais pour moi, c'est un cataclysme. Je revois, je suis complètement bouleversée. Et en fait, c'est absolument génial. Et c'est en ce sens que je dis, oui, que je pourrais dire, c'est de la science-fiction. C'est vraiment au sens où ça me fait voir les choses autrement. Et pas du tout au sens où je vais être soupçonneuse, voilà, avoir des soupçons, pas du tout. Peut-être le soupçon ou le doute ou la critique, elle vient, mais dans un deuxième temps. D'abord, il y a la fascination, la surprise, l'amour, ce qu'on appelle la charité interprétative, quoi. C'est j'adore quand quelqu'un amène quelque chose de nouveau, j'essaye réellement d'y croire. Et puis après, après arrive la critique, la discussion scientifique, on monte en compétences et on échange. Merci. Je voulais terminer avec le sabre laser, il a un grand classique. Il a un rôle important dans Star Wars. Mais quand on est physicien et qu'on voit un sabre laser, on dit c'est quoi cette histoire? La lumière se pénètre elle-même, donc un sabre qui soit constitué de lumière, c'est impossible. Mais quand on est, il y a une sorte de contradiction dans les termes en fait. Mais quand on est Roland Le Houx, non seulement on s'y intéresse, mais en plus on calcule sa puissance. Oui. Comment est-ce qu'on fait? Eh ben d'abord, comme disait Cléo, on fait un peu de charité. On se dit, ben finalement, en fait, moi j'aimerais bien en avoir un d'abord. Donc ça m'énerve que ça soit pas possible. Bon, ça c'est un détail, mais c'est pas grave. Tout le monde d'ailleurs, je vois Nathalie, enfin même Cléo aussi. Non, Cléo n'en veut pas. Non, bon, Cléo, mais Nathalie en veut un. Bon, donc du coup, un sabre laser, moi je veux bien avoir un vrai sabre laser, sauf que malheureusement c'est pas possible. Bon, ben tant pis, c'est pas grave. La qualité de l'histoire dépend pas de la qualité de la science. Mais après on se dit, bon ok, d'accord. Maintenant ça existe, voilà. Oublions les détails, ça existe. Et maintenant, est-ce qu'on peut en dire plus? Est-ce qu'on peut essayer de faire une sorte de rétro-engineering du sabre laser? Et donc après, ça passe par quelle puissance développe un sabre laser? Alors on trouve beaucoup. La réponse est 1 milliard de watts. C'est une centrale nucléaire. Ouais, c'est ça. C'est un cœur de centrale nucléaire, un cœur de réacteur nucléaire dans un truc qui tient dans la main. Donc on se dit, c'est un autre argument un peu sophistiqué pour dire que ça marche pas. Là, l'argument que vous avez proposé dans la lumière ne se bloque pas elle-même. C'est un argument tout à fait simple. Et ça n'arrête pas non plus. La lumière ne s'arrête pas comme ça au milieu de l'air avec rien. Le sabre, il s'arrête et boum, il s'arrête. Et donc, un argument plus sophistiqué pour dire que ben, non, ça marche pas. Mais voilà, ça permet d'exercer aussi une forme d'esprit qui est d'essayer de tirer de l'information dans un endroit où il n'y en a pas beaucoup. Ce que font les physiciens, en général, les scientifiques qui sont dans le domaine des sciences naturelles, la physique, la chimie, la biologie, finalement, l'âge de l'univers, il n'est pas écrit en lettres de feu dans le ciel. Il faut quelques instruments, un peu de réflexion, et ça prend une centaine d'années, disons, entre la première fois où on peut commencer à essayer d'y répondre scientifiquement, et maintenant on a une idée, disons, raisonnablement précise de l'âge de l'univers. Je suis obligé de vous interrompre, car oui. C'est la fin de cette émission. Ah. Je vous salue tout à l'heure, mais avant, nous allons écouter...